deux personnes qui veulent vous rencontrer. C'est qui? J'espère que ce n'est pas les gars des impôts. Hein. Je t'ai déjà dit que quand ces gens-là viennent ici, là, tu leur dis que je ne suis pas là. Oh! Pourquoi tu es têtu comme ça? Bon, ce ne sont pas les gars des impôts. C'est qui? Je ne sais pas trop, mais ils m'ont dit qu'ils représentent une entreprise chinoise et qu'ils ont une bonne affaire pour vous. Une bonne affaire? Mais fais-les entrer! D'accord, boss. Une bonne affaire? Prenez place. Alors, que puis-je pour vous? Oui, merci, monsieur. Déjà, nous sommes les représentants d'une multinationale, Tianwu Corporation, qui fait de la commercialisation des plantes. Elle est basée en Chine. Ok, je vois. Notre entreprise est représentée en Afrique, particulièrement au Cameroun, il y a 2 ans. Et au jour d'aujourd'hui, notre commerce est répandu dans plusieurs marchés africains. D'accord. Ça veut dire que ça marche bien. Bien sûr, sinon on ne viendrait pas vers vous. Ok. Vous attendez quoi de moi? Oui, déjà, le commerce des plantes, c'est un commerce extrêmement rentable. Et de nos jours d'aujourd'hui, nous avons près de 500 partenaires qui sont aujourd'hui multimillionnaires grâce à la firme Tianwu Corporation. Multimillionnaire. Ça veut dire que ça donne bien de l'argent, hein? Oui, monsieur. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui me prouve? Nous avons les témoignages. Donc, la femme-ci est devenue multimillionnaire grâce à votre entreprise. Oui, monsieur. Et elle n'est pas la seule. Comment on fait pour participer? Ok, déjà, nous avons 3 catégories pour classer nos clients. La première catégorie, qui est la catégorie Gold. La deuxième, qui est la catégorie Medium. Et la troisième, qui est la Bronze. Vous faites le choix de votre catégorie et on vous dit exactement l'investissement approprié à cette catégorie. Donc, ça veut dire que, par exemple, le gold peut investir 2 millions, le médium peut investir 1 million et le bronze, 500 000. Voilà. Si vous ne pouvez pas commencer par la première catégorie, vous pouvez commencer par la deuxième. Mais ça, c'est une bonne affaire, hein? Ah! Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir depuis? Oh! Moi, je ne tâtonne pas dans les affaires. Hmm? Je ne t'attends pas, je vais direct, c'est comme ça. Donc, ça m'intéresse bien. Oh. On se revoit très bientôt. D'accord, on attend votre signal partenaire. Oui, ils m'ont proposé une bonne affaire, une bonne affaire. Mais monsieur, il faut quand même faire très attention. Hein. Ah bon? Mais pourquoi?
y a déjà trop d'arnaqueurs dehors. Donc toi là, en tant que secrétaire de direction, tu reconnais déjà les arnaqueurs plus que moi. Ça fait longtemps que je suis dans le business, hein? Ah, boss, moi je le disais moi seulement. Oh. Faites très attention, il y a les arnaqueurs dehors. Va à ton poste. Après, vous allez venir ici pleurer partout, partout. Va à ton poste. Ok, je vais. Aussitôt. Pourquoi? Je sais pas. Il y a deux hommes qui sont venus me voir au bureau aujourd'hui. Ah bon? Mm-hmm. Tu as entendu parler de la société Tianwu Corporation? C'est comme si j'ai déjà entendu parler d'eux. Voilà. Leurs représentants sont venus à mon bureau aujourd'hui. Ah, pourquoi? Que je devienne un de leurs partenaires. D'accord. Et ça consiste à quoi? C'est simple. Ça consiste à investir de l'argent et puis après tu gagnes le double de cet argent. Waouh! Aussi facilement? Oui, aussi simple. J'ai même vu des vidéos où les gens témoignent qu'ils ont investi de l'argent et puis ils sont devenus multimillionnaires aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce qui t'amuse? C'est que parfois, je me demande si tu réfléchis même bien. Tu me traites de bête? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que je pense que ces gars, c'est des arnaqueurs. Donc, tu es devenue femme d'affaires, n'est-ce pas? Tu es ici, tu ne travailles pas. Mais tu sais reconnaître les arnaqueurs. Mais je ne suis pas conne non plus. Donc, tu me traites de bête? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que toi, tu dis. Quand je t'avertis toujours, tu ne comprends pas. Après, tu pars, tu tombes toujours dans les pièges. C'est quand on va t'arnaquer que tu vas comprendre. Arrête-toi là-bas, dis donc. Tu passes toutes tes journées ici à la maison. Tu ne fous rien du tout. Hein? Mais c'est toi qui veux me donner les conseils en arnaque. Quand les hommes prennent les décisions, toi, tu te tais, femme. Contente-toi plutôt de me faire la cuisine, nettoyer la maison et faire des enfants. Tu dis ça à qui, Bobby Koundé? À moi? Donc c'est à ça que tu me réduis? Faire le ménage et faire tes enfants? Tu vas regretter tes paroles. Mais... attends. On est en train de discuter, non? Déjà, depuis mon arrivée. De bonnes commandes? Une bonne commande et les autres sont des petits commerçants qui ont passé leurs commandes. Je vais même faire comment pour chasser les petits commerçants de cette entreprise? Hein? Oh. Je suis fatigué de leurs petites commandes médiocres. Mais boss, c'est parfois des petites commandes qui font des entrées d'argent. Il ne faut pas les négliger. On sent une petite fille qui aimait gérer la boutique de maman au quartier. Ici, c'est une entreprise, madame. Tu sais au moins ce que ça veut dire?
de leur petite commande. Ok, boss, je fais comment? Je refuse leur commande. Non, pas ça! Mais puisque vous ne les voulez pas... Tais-toi là-bas. Donc, comme j'ai dit que je ne les veux pas, tu vas refuser les commandes qu'ils vont venir donner, n'est-ce pas? Tu ne sais pas qu'on fait souvent les métaphores en parlant. Tu as même fréquenté jusqu'à quel niveau? Boss, les messieurs l'ont rappelé. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils attendent votre confirmation. Ok, écris leur numéro, je vais les appeler. D'accord, boss. J'ai décidé de commencer en tant que partenaire médium. Mm-hmm. Je vais d'abord vous envoyer 300 000 francs. Oui, demain matin. Comme ça, quand les choses seront fixées, j'envoie la totalité. Ok. Oui, oui, voilà. D'accord. Allez, on se dit à plus tard. Ah! Multimillionnaire! Multimillionnaire! Enfin! Enfin! Karine! Bientôt, les choses vont changer. Hmm? L'entreprise va être améliorée. On va changer de logo. Même ton bureau va changer. Ah bon, boss? Oui! Oh. Et comment cela va se faire? Vous avez gagné un gros partenariat. Oh, un partenariat qui sera très fructueux. Vous parlez des deux hommes qui étaient là hier? Oui, ils m'ont proposé une très bonne affaire. L'affaire de ma vie. Boss, je vous ai demandé de faire très attention. Il y a les anarques dehors, me voilà qui vous prévient. Ha. Tu as commencé. Merci, mon bébé. Merci, papa. C'est quoi ça? Tu ne vois plus bien. Tu me sers le tapioca pour mon dîner? C'est ma tâche, non. Occuper de ta maison, de faire les enfants. Comme j'étais très occupée aujourd'hui, à faire des tâches ménagères, je n'ai pas eu assez de temps pour vous préparer grand-chose. Mais, et comment Niki a le poulet et moi j'ai le tapioca? C'est l'enfant avant tout, monsieur. Toi, tu te débrouilles. Et toi-même? Ça. Oh. Bien sûr que c'est juste, mon chéri. Ah, s'il te plaît, mon bébé, s'il te plaît, je te demande pardon, je me suis emporté. S'il te plaît, donne-moi le poulet aussi. Il manque quelque chose. Quoi? Un bisou. Ah, ok.
chérie. Tu as fait comment avec ta nouvelle affaire? Ça marche très bien, bébé. Ok. Je voulais juste te dire que j'ai fait des recherches concernant la fameuse entreprise Tianwu. 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 Voilà. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est une fameuse entreprise? Elle n'existe pas. Tes supposés collaborateurs sont des arnaqueurs. Il y a même des personnes qui ont témoigné de faire très attention. Laisse mon bébé, laisse. J'ai vu des gens dans des vidéos qui témoignent qu'ils sont devenus très riches grâce à cette affaire. Hein? Ouais, voilà ce qui va te finir. Ton envie de toujours vouloir gagner beaucoup d'argent. Attends. Regarde. Non, c'est pas vrai. Si, regarde les commentaires, Dia. Regarde. Chérie, ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les gars là m'ont roulé très mal. Comment ça? Hier, je leur ai donné 300 000 francs pour débuter l'affaire. Quoi? Bobby Koundé. Bobby Koundé. Bobby Koundé! Oui, mon bébé. Je t'ai appelé combien de fois? Je te jure que la prochaine fois que je vais te demander de ne pas faire quelque chose et que tu ne m'écouteras pas, je vais sérieusement te faire des problèmes. Est-ce que tu as suivi? J'ai compris. Essaye un peu d'appeler les partenaires là-bas. Ah, bon, ça ne passe pas. Essaye encore. Ça ne passe toujours pas. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi je n'ai pas de chance comme ça? Ta maison, faire tes enfants.